Bonjour tout le monde. Je vais commencer par lever mon masque. Pour bon, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bernard Gélinas. Je suis médecin ici à Lac-Mégantic depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je vais vous parler de liberté et de COVID. On est chanceux, on est une société libre. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Et donc, si on se compare avec certains pays totalitaires, on est très chanceux. Par contre, depuis un an, le COVID nous a enlevé nos libertés. On a porté des masques, on a fait plein d'affaires qui ont aidé à contrôler un peu le COVID, à amenuiser le feu, mais on est loin de l'éteindre. Il y a une chose qui va faire qu'on va gagner contre le COVID, qu'on va revenir, qu'on ne parlera pas d'une vague numéro 4 puis numéro 5, c'est la vaccination. Et présentement, au Québec, il y a un bel engouement, les gens travaillent fort pour se faire vacciner. Par contre, il y a encore quelques personnes qui sont indécises, qui hésitent. Et c'est à vous que je parle. La MRC, ils travaillent fort pour que tout le monde soit vacciné, un maximum de gens. Les gens ont bien répondu, mais il reste la petite coche qui va faire que ça va être une victoire, qu'on va atteindre nos objectifs de vacciner 75 % de la population adulte. Et on est tout proche. Si on veut retrouver la même qualité de vie qu'on avait, la même liberté qu'on avait, revoir, j'ai trois petits-enfants là, que j'ai presque pas vus depuis un an, bien, ça nous prend une petite piqûre dans l'épaule. Moi, j'ai eu mes deux doses, j'ai eu aucun effet secondaire. Les vaccins sont sécuritaires. Mais ceux qui hésitent encore, arrêtez d'hésiter. Ceux qui ont eu une dose, préparez-vous pour avoir votre deuxième dose plus rapidement pour qu'on retombe un été normal, en famille, en amis, puis une rentrée scolaire normale.